to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Alors j'avais prévu de vous présenter un des tout premiers albums 2024 cette semaine, mais un concert à la laiterie à Strasbourg a un petit peu changé mes plans. Le 25 janvier, Unprocessed ouvrait pour Tesseract dans la salle strasbourgeoise. Et si je ne connaissais pas encore cette formation berlinoise, j'ai été ébloui par leur musique et leur performance. Leur dernier album en date, On Everything In Between, écouté quelques heures avant le concert, est sorti en décembre dernier. 9 titres courts pour 39 minutes de musique. Alors attention aux oreilles. Unprocessed donne dans le djent expérimental entre Pliny et Tesseract avec du growl, du chant clair et beaucoup de tabassage. Âme sensible, s'abstenir. Le groupe se compose de 4 gamins en comparaison des dinosaures du rock progressif qui montent sur scène en déambulateur. Des petits jeunes fougueux et encore bourrés de testostérone. Alors oui, ça dépote. Ils existent depuis 2014 et ont plusieurs albums à leur actif, dont Covenant, qu'Alias avait chroniqué à sa sortie. Les deux grands atouts de Unprocessed sont les guitares et le chant polymorphe. Leur musique passe du gros poutrage à dentelle d'arpège, de hurlements caverneux à une voix toute douce. En plongeant dans Everything In Between, vous accédez à un niveau rythmique infernal où la basse et les guitares en sont la colonne vertébrale, comme dans L'Or ou bien Glass. Mais Unprocessed rejoint également Pliny sur Blackbone ou Die on the Cross, si on fait abstraction du growl, même si je ne suis pas certain que ce soit les mêmes sujets qui les inspirent ici. Les textes écrits par David John Levy, le bassiste et également growler à ses moments perdus, sont manifestement une plongée dans son enfer personnel, jouant de thèmes religieux, Dieu, la crucifixion, l'enfer, le purgatoire, pour raconter ce qui ressemble, à mon avis, à une emprise. La musique, elle, est tout sauf easy listening. Elle vous malmène en permanence, fragile, vocodée, violente, hurlée. Une musique dans laquelle la guitare peut livrer un djent assourdissant comme des notes cristallines de harpe. Je ne vais pas tourner autour du pot, Unprocessed est une fabuleuse découverte. On Everything In Between, une tuerie qui aurait pu devenir l'album de l'année 2023. Et Covenant, que je découvre en ce moment, est du même tonneau. Évidemment, il faut être quand même d'humeur joueuse pour écouter leur musique. Il y a des jours où je repose mes tympans. Mais allez les écouter, ils font partie de la génération montante du metal prog. En plus, leurs albums sont sur Bandcamp. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle chronique. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique, et si vous voulez suivre les prochaines, eh bien abonnez-vous. Bisous !